film vraiment très très bien. Drôle aussi. Et puis par moments aussi poétique. Il y avait des. Vraiment, c'était. L'image était vraiment. C'était quelque chose de coloré. Et non, franchement, je connaissais pas le. Je connaissais pas les films. Je connaissais pas Cornillac en tant que réalisateur. Je l'aime bien en tant qu'acteur, mais je savais pas, je savais qu'il avait fait Belle et Sébastien, mais bon, en tout cas, c'est magnifique, il était vraiment pas mal. Donc je vais vous raconter un petit peu le film, et aussi parce que comme c'était, je voulais, en fait, c'était une séance très étrange. Enfin, ça m'a, je vous dirais, c'était les, j'étais, mon copain, il était. Tous les deux, on était entourés et les personnes à côté, à nos côtés, enfin, on s'est dit qu'on n'avait pas de bol de se mettre là, quoi. Parce que là, par exemple, bah, en fait, donc avant le film, donc il y avait Clovis Cornillac qui est venu et il a parlé du film, et après il y a eu une séance de questions. Ça a duré une quarantaine de minutes. D'ailleurs, franchement, je l'aime bien. Il est très sympa. Je l'avais déjà croisé au festival d'Angoulême. Et vraiment, il est toujours. Franchement, il se la pète pas. J'aime bien quand il fait sa carrière. Il est. Puis vraiment accessible. Il avait des petites blagues et tout. Mais simple, quoi. Il fait pas. C'était pas non plus le mec. Je vais le mec cool et tout. Enfin, ça se voit, ceux qui font ça pour. Enfin, bref. Je l'aime bien. Et puis, il est venu avec son chien et tout. Bon, bref. Mais le. Alors, donc, ça dure une quarantaine de minutes. Et ma voisine. Mais moi, dès qu'elle est arrivée, elle n'a pas arrêté de se faire remarquer. Il fallait qu'elle. En fait, elle se croyait dans son salon, je sais pas, mais c'était vraiment pénible. Plusieurs fois, j'ai eu envie, je l'ai dit à mon copain, je lui parlais doucement comme ça dans l'oreille. Et je lui disais, mais j'ai envie de lui dire de se taire, quoi, parce que c'était. Oui, ça m'énervait, puis après j'ai commencé à en rire. Et puis, en fait, avec la séance du film, c'était un peu un mélange de j'ai aimé le film, mais en même temps, j'étais un peu ailleurs avec la femme, ça me sortait un peu du film, mais c'était. Parce que par moments c'était vraiment pénible. Mais en fait, le truc, c'est que même pendant les séances de questions, alors elle essayait de répondre à la place de Cornillac. Il fallait qu'elle termine ses phrases. Donc elle tout ça à voix haute. C'était. Non, mais elle m'a saoulée dès le début. Elle m'a saoulée dès le début. Vraiment. Elle est en train de manger les dernières croquettes de la journée. Et ouais, non, mais vraiment, elle n'arrêtait pas. Et puis à un moment, elle en a eu marre. Moi, j'ai trouvé ça bien qu'il y ait autant de questions. Parce qu'en plus, il disait, enfin, c'était vraiment, enfin, il était pas là que. Enfin, je trouvais qu'il racontait bien. Enfin, il était, enfin, j'aime bien avec lui, quoi, c'est que. Ça, tout simple, quoi. Et puis, il est pareil aussi dans son jeu d'acteur. Il est. Enfin, sauf que là, dans le film, il est vraiment différent d'habitude. Là, j'ai trouvé qu'il avait vraiment une manière de jouer totalement différente. Mais bon, je vais continuer sur les personnes au cinéma. Parce que, oui, il y en avait. En fait, il y en avait trop. Parce que mon copain, lui, à droite, il avait un couple dont l'homme n'arrêtait tousser et puis manger des bonbons avec son paquet, donc c'était pénible. Et enfin voilà, quoi. C'était assez pénible, c'était un peu. Attends, mais j'ai une voisin qui vient dans la rue. Attends, je vais faire pause. Bon, j'espère que ça y est pour le beau extérieur. Ah oui, donc là, la femme. Donc par exemple, le film, c'est le. Ça s'appelle C'est magnifique. Et donc c'est. À la base, c'était une chanson de Dario Moreno. Et donc on l'entend souvent dans le film. Et quand il a parlé de. Il a fallu qu'elle.
Elle se met à crier aussi, elle pousse des cris, enfin oh là là, mais on se demande si elle a déjà été au cinéma en fait. Enfin bon voilà, c'était une séance assez particulière. Donc plutôt du coup j'ai même pas parlé du film. Donc en fait ça s'appelle C'est magnifique, et c'est l'histoire de Clovis Cornillac, son personnage. Il va, à la mort de ses parents, il va hériter d'une maison à Lyon. Donc le film a été tourné à Lyon parce que Cornillac, il est né à Lyon et c'est la ville de son enfance. Et il a voulu que ça se passe à Lyon. Donc en fait, il hérite d'une maison. Et c'est un homme en fait, avec ses parents, qui vivait dans les montagnes. Et il n'a jamais été, à l'école. Il n'a jamais travaillé en entreprise. Il est resté avec ses parents. Et donc, du coup, il est, on va le suivre comme ça dans la vie, quoi, où il est vraiment, où il a du mal à, enfin, il a du mal, on va dire, il va très vite faire une rencontre donc avec celle qui joue Alice Paul, et tous les deux ils vont s'entraider parce que chacun a des besoins particuliers, ça va être une belle rencontre on va dire pour eux deux. Mais j'ai bien aimé parce qu'il a un côté vraiment très naïf, et en même temps il est drôle parce qu'il est toujours un petit peu décalé, et ça fait vraiment très 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 bon esprit, quoi. Il voulait un film, il disait juste
justement qu'il trouvait que c'était dommage que les valeurs de, comme la gentillesse étaient devenues quelque chose de on va dire, parce que de mal vu, enfin, en gros, que maintenant c'était le cynisme en première. Il disait qu'il n'avait rien contre les gens cyniques, mais que lui il préférait le côté comme ça, un peu innocent, un peu. Mais là, voilà, il voulait de la bienveillance et du coup, bah, il a voulu un film comme ça, positif. Mais c'est pas mièvre du tout, hein. Mais c'est vraiment très étrange par moments. Je peux pas vous dire, en fait, c'est un film très très spécial. Mais bien joué, bien réalisé. Avec beaucoup de couleurs, enfin, c'était un lion un peu comme ça, un peu fantasmé, quoi. C'était. Non, mais. J'ai, en fait, c'est bizarre parce que, comme ça, c'était très particulier avec ce je vous ai dit, les personnes qui étaient là. Donc, c'était un peu. Une soirée un peu étonnante, on va dire. Mais bon, ça m'a fait plaisir. Mon copain, on a bien aimé. Ça nous a fait plaisir. J'ai mal au cou, hein, de baiser. Et ce qui m'a fait rire après, c'est quand on est sorti. C'est comme s'il y avait. On n'avait pas été assez. C'était pas assez étrange. Ça m'a fait rire, c'est qu'il y avait une femme, son copain l'attendait à la sortie. Il était en moto et il avait un panier devant. Et c'était un petit chien dans le panier. Et le chien, il avait des lunettes de soleil. Il était tout glace. Et après, on l'a fait partir comme ça en moto avec le chien devant, super à l'aise et tout. J'avais l'impression d'être dans un film, d'être dans une, ou même une BD, quoi. Ça faisait vraiment très. Je sais pas, c'était vraiment étrange comme soirée, je trouve. C'était un peu étonnant. Donc voilà, c'est magnifique le film. Donc je vous le conseille. Il sortira au mois de juin. Là, c'était en avant-première hier soir. Mais il sortira en France, qu'est-ce que je dis dans toute la France. Le 1er juin, je crois. Ouais, c'est ça, le 1er juin. Donc si ça vous intéresse, si ça vous dit, n'hésitez pas. Je sais pas si j'en ai bien, si je l'ai bien vendu ce film. Mais si vous voulez un film, puis surtout c'est un film français, voilà, qui change un peu, qui change complètement. Y a pas d'histoire, je sais pas, y a pas de truc de film d'auteur français, vous voyez. Puis ça change aussi des blockbusters américains. Enfin, c'est un film vraiment qui est complètement décalé. Et j'espère qu'il va marcher parce que ça fait du bien de voir des films un peu qui changent, quoi. On a envie un peu de cinéma qui nous. Avec des bons sentiments, sans être avec de. Enfin, c'est. Moi, j'ai bien aimé, en tout cas, voilà. C'était très, très bien. Voilà. Donc, si Clovis Cornillac m'écoute, voilà. En tout cas, j'aime bien. T'es toujours sympathique, bon esprit. Ouais, franchement, je t'aime bien. Voilà. Et je suis très très. Moi je suis cynique, tu vois. Mais j'aimais ton film. Comme quoi. Allez. Je vous laisse.